Good morgen. Allez, Yiden les sutra aujourd'hui, les Lunishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claudie Frag Ben Fortune Mazal, Rosette Zara Bat Mahlouf Vesultana et Moshe et Maurice Moshe Ben Mahlouf Vesultana. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines d'une Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Souka, Perek Dalet, Mishnah Yud, Ke Maasehu Bechol, Kach Maasehu Beshabbat. Et là, Shaya Memale Meerev Shabbat, Chavit Shel Zahav, Shaina Mekudeshat Mina Shiloach, ou Manicha Balishka. Nishpecha ou Nidgalta, Aya Memale Minakior, Shayain, Vamaima Megulin, Soulein Legabe Misbeach. On conclut dans notre Mishnah le sujet du Nisur Hamaim qu'on a évoqué maintenant depuis quelques Mishnahs en arrière. Le principe à Sukkot, il y avait un rituel très particulier, une oblation d'eau. Normalement, quand on fait un korban, on apporte, en plus de l'animal qu'on asperge le sang et qu'on fait monter sur le misbéach, on apportait aussi une oblation de semoule, on apportait une oblation de vin, on les versait là-bas, il y avait deux trous à côté, en haut du misbéach, il fallait là-bas les verser. À Sukkot spécialement, il y avait une mitzvah de prendre de l'eau et de la verser là-bas. Comme à Sukkot, on est Hachem, il nous juge sur l'eau qu'il va nous donner durant l'année, alors c'est le moment de faire un corban d'eau pour, bien sûr, bien évidemment, comprendre et manifester en nous notre conviction que tout vient de lui, même l'eau, et donc on lui offre de l'eau pour qu'il nous la rende. Le principe maintenant de cette eau, on lui offre de l'eau pour qu'on lui reconnaît là, que c'est lui qui donne l'eau, pour qu'en retour il nous donne des pluies aussi. D'accord? Maintenant, on va, dans le prochain chapitre, on va parler très longuement de la manière, les préparatifs, jusqu'à qu'on ait épuisé l'eau, on passait la nuit à chanter et à danser. Comme ce qu'on va voir, c'est un moment de grande simcha. Ça, ce sera dans la prochaine Mishnah. Pour notre Mishnah, on va conclure maintenant le rituel concrètement proprement dit, c'est-à-dire, on s'intéresse, la Mishnah, en fait, la Mishnah, elle a décomposé ça en deux, en expliquant d'abord la fin et puis après le début. D'abord, nous expliquons quand on rapporte l'eau dans la Hazara, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau. Et ça, c'est la Mishnah Tet, la Mishnah Yud, comment il fallait monter sur le misbéach et la verser dans les deux trous. Et voilà. Et après, dans la prochaine Mishnah, dans le prochain chapitre, on va commencer à s'intéresser comment est-ce qu'on se préparait toute la nuit pour épuiser ça tout. Et la Mishnah me raconte maintenant que Maaseu Bechol, car Maaseu Beshabbat. Comme le rituel de Chol, d'un jour profane, de semaine, ainsi soit le rituel de Shabbat. Soit, même principe, on va monter sur le misbéach, on va verser dans les deux trous, dans l'un l'eau, dans l'autre le vin, et voilà. Seulement avec une différence, c'est que pour aller puiser l'eau, parce qu'on ne partait pas à la puiser pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? La Shaya Memale Meirev Shabbat, Chavit Shel Zahav, Shena Mekudesh Et Mina Sheluach. Mais par contre, au lieu d'aller puiser pendant Shabbat, en fait, eh bien, Aya Memale, il remplissait Meirev Shabbat depuis la veille de Shabbat, Chavit, un tonneau, Shel Zahav, qui était en or. Shaina Mekudeshet, qui n'était pas sanctifié, Minashiloach, depuis la fameuse source, rivière, qui est à proximité du Rochelaim, le Shiloach. Et une fois qu'il avait rempli ce tonneau d'eau, eh bien, au Manicha Balishka. Je ne sais pas si c'est un tonneau, logiquement, il fallait suffisamment de prendre un litre. Donc j'imagine que c'était un petit tonneau. Eh bien, et il le prenait, il est en or, il l'apportait ensuite, il le laissait dans la Lishka. Dans une cabine spéciale qu'il y avait là-bas, au Beth Amikdash, pour la, j'imagine, c'est la Lishka Tagazi, j'imagine, si c'est pas précisé, et on l'a laissé là-bas toute la nuit pour l'utiliser le matin. Plusieurs précisions. Bon, on a dit qu'il ne fallait pas la puiser pendant Shabbat, donc on l'a puisé depuis avant Shabbat. On l'a puisé maintenant. Point très important. On l'a puisé avant Shabbat, mais il fallait la laisser dans un tonneau qui n'était pas sanctifié. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une halakha, que tout ce qu'on met dans un klisharet, dans un ustensile du Beth Amikdash avec lequel on fait le service du Beth Amikdash, eh bien, il faut nécessairement, lui, achever sa mitzvah dans la journée, et éventuellement la nuit si c'est réalisable, mais au petit matin, tout devient nifsal bedina. Ça devient invalidé par le fait que ça a passé la nuit dans un klisharet. D'accord? Dès que ça a été sanctifié, même si ce n'était pas dans le klisharet, le simple fait d'être rentré dans le klisharet, et même si on le ressort ailleurs après, c'est fini, il y a une gdusha qui est rentrée sur l'eau, qu'elle doit nécessairement être utilisée dans la journée. Or, la veille de Shabbat, on a déjà fait l'oblation d'eau, donc il fallait la laisser dans un tonneau en or qui n'était pas sanctifié. Pourquoi en or? Juste pour donner de l'honneur à cette mitzvah.
n'y avait pas de nécessité spécialement en or en soi-même, si ça le fait de montrer combien la mitzvah elle est chère à nous, donc on la remplissait avec ce tonneau en or. Autre halakha maintenant, Nishpecha onit galta. Si elle s'est renversée ou elle a été découverte. Donc l'eau elle est devenue invalide pour en faire la mitzvah. Alors, Hayam emale mina kior, eh bien, c'était pas grave, on partait remplir depuis le kior, il y avait le robinet là-bas du Beth Amikdash, qui était en fait, on va l'expliquer après comment il était exactement. Et parce que la Mishnah m'enseigne, quel était le problème? Shayayin va maim amigulin, car de manière générale, le vin ou l'eau qui reste découverte, eh bien, souligne les gabé misbeach, ils sont invalidés pour le misbeach. Bon, on explique la problématique. Bon. L'histoire de ça s'est renversé, vous avez bien compris, il n'y a plus d'eau. Donc, d'abord, on va peut-être commencer par là. Ça se renverse, il n'y a plus d'eau, tu ne vas pas repartir maintenant chercher de l'eau au Shiloh jusqu'à la rivière là-bas, Shabbat, tu ne portes pas. Il y avait, a posteriori, il y avait dans la Hazara même, il y avait un petit ruisseau qui passait. Il y avait une source d'eau qui sortait à côté de. Depuis le Kodesh à Kodeshim, d'ailleurs, je crois. Seulement, c'était une eau qui n'était pas assez limpide. Donc, on préférait partir pour pouvoir faire la mitzvah du Nisuch HaMaim. On préférait aller chercher une eau bien claire, limpide. A posteriori, tu n'en as pas. Tu prends quand même cette eau, elle est tout à fait consommable. On l'utilisait amplement au Beth Amikdash pour plein d'utilisations. Donc, on prenait depuis cette eau. Ça, c'est lorsque ça s'est renversé. Donc, tu auras toujours cette solution d'aller ramasser de l'eau de la Hama. Ça s'appelle du petit ruisseau qui est passé dans le Beth Amikdash et qui ressortait par là-bas. On l'a rencontré plein de fois, ce petit ruisseau, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour par exemple laver la Hazara, pour laver toute l'enceinte du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait après le Korban Pessah, où c'était très sale. On fermait la sortie d'eau, ça se remplissait d'eau, après on ouvrait l'eau et tout sortait. On a rencontré plusieurs fois cette petite Amatamaim. Autre point maintenant, c'est si Nit Galta. Ça s'est découvert. Vous savez que dans les liquides, il y en a aujourd'hui qui sont Makpidim encore, lorsqu'ils laissent de l'eau découverte, du vin découvert, du lait découvert aussi, Yad Shachat Dam, il y a cette liquide, concrètement c'est ceux avec lesquels on est confronté, de l'huile d'olive aussi, eh bien, tu l'as laissé découvert, il y a initialement une takana, une xerat rachamim, de ne plus boire l'eau, de peur qu'il y ait éventuellement un serpent qui est sorti, qui a bu et qui a craché son venin. Vous allez me dire aujourd'hui il n'y a plus de serpents, c'est la raison pourquoi il y en a beaucoup qui permettent. Pourquoi dans ce cas-là il y en a qui interdisent? Il y en a qui interdisent parce que quand Rami on fait un décret, même si la cause s'annule, le décret reste en vigueur, c'est une grande marquette ce qu'on trouve fréquemment, on fait maïm acharonim après le repas, donc on boit selon le principe, on ne boit plus non plus les maïm megoulin. Ça s'appelle maïm megoulin, l'eau qui est restée découverte. Pour en venir dans le sujet, la Mishnah me dit, bien si par erreur on a laissé le tonneau ouvert, on a laissé l'eau comme ça, on craint qu'il y ait un serpent qui soit rentré dedans et qui ait peut-être bu. Vous allez me dire, mais on a quand même la possibilité de la filtrer l'eau. La Mishnah, la Gemara pose la question, il y a effectivement une achloquette. Il y en a qui pensent qu'on peut la filtrer en théorie, il y en a qui pensent que ça n'a rien à filtrer parce que ça sépare, ça se disperse. Mais quoi qu'il arrive, selon tous les avis, tu ne pourras pas la porter en corban. Parce que vous imaginez, vous venez boire chez moi, je vous invite à boire, je vais vous servir à boire de l'eau, je vais vous raconter qu'en fait, non, j'avais renversé la bouteille, mais dans un endroit propre. Je l'ai ramassé, je l'ai remis dans le verre et je vous l'offre. Vous êtes d'accord que c'est pas du tout honorable de faire de la sorte avec un invité, à plus forte raison avec le Beth Amikdash, avec l'honneur d'Hachem. Si l'eau elle était découverte, tu as commencé à la passer dans la messe à nénette pour la refourguer sur le miseur. C'est pas cavode, on préfère en ce cas-là porter une eau d'un peu moins bonne qualité, mais au moins qui vient de sa source directement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tout, c'est là.